Dans cet élevage du groupe Avril, 150 000 poules sont entassées dans des cages alignées à perte de vue. Elles vont rester plus d'un an dans ces cages. Le sol est grillagé et incliné pour faire rouler les œufs à l'avant des cages. L'éclairage est artificiel. Elles ne verront jamais la lumière du jour. Une telle promiscuité favorise les agressions entre les poules. Pour éviter le cannibalisme, on leur a coupé une partie du bec quand elles n'étaient encore que des poussins. À cause du stress et du piquage, les poules commencent à se déplumer. Dans quelques mois, leur taux de ponte déclinera et elles seront envoyées à l'abattoir. Certaines ne survivent pas à ces conditions et se décomposent à l'intérieur des cages. Le groupe Avril a annoncé que la marque Matine cesserait de distribuer des œufs de poule en cage à l'horizon 2025, mais ne s'est pas engagée à ne plus commercialiser des œufs de poule en cage pour ses autres activités. En effet, 900 millions d'œufs produits par le groupe Avril sont aussi conditionnés sous forme liquide, en bidon, ou sous forme de poudre pour l'industrie et la restauration. C'est son entreprise Ovotim, leader français des ovoproduits, qui les commercialise. Ces œufs cachés se retrouvent dans nos biscuits, nos cantines scolaires, maisons de retraite, restaurants d'entreprise. Le groupe Avril est le dernier grand producteur de l'industrie française à ne pas s'être engagé à cesser d'utiliser des œufs de poule élevés en cage. Pour que le groupe Avril s'engage, signez la pétition sur groupe-avril.stopcruauté.com.